la petite image de Tardy que j'aime bien personnellement sur la commune. Et puis après, on parlera de Keynes, des Trente Glorieuses, de la globalisation. Et puis, on essaiera de fabriquer quelque chose autour d'une idée, cinquième internationale au service du vivant. Alors, je reviens sur la méthode qu'on essaye de mettre en place, le temps long, la transdisciplinarité, puis d'essayer de produire une cartographie pour s'y retrouver. 5 siècles de domination occidentale, 3 révolutions industrielles, 2 mondialisations, 5 périodes, plus une, c'était en attendant les Lumières, et puis 5 propositions de synthèse. L'objet d'aujourd'hui, c'est de parler de la dictature du prolétariat. Donc, brève histoire du siècle, de l'industrie et de la lutte des classes. C'est parti. J'ai essayé de fabriquer une ligne des temps et on va aller jusqu'au grand conflit de 14. Ce qui nous permettra de se mettre dans la lignée en haut là-haut de tous les soubresauts révolutionnaires dont on avait parlé. Je vais dire un petit mot sur la guerre de sécession aux États-Unis. Je reviendrai sur le congrès de Vienne, le manifeste du Parti communiste, puis un certain nombre de scientifiques. Un petit détour du côté des auteurs et des romanciers. Et notez que donc, à partir de 1750, il y a eu une première révolution industrielle avec la machine à vapeur et qui va s'accélérer pendant la deuxième moitié du 19e siècle et qu'en même temps, il va y avoir une première mondialisation. Eh bien, se constitue, on l'avait expliqué, l'école classique en économie, première école libérale classique avec Adam Smith comme figure de proue. Et puis, le marxisme d'un côté, Marx fait une école à lui tout seul, et l'école néoclassique qui va réactualiser les thèmes de la première école libérale classique de Smith. Et donc, tous les auteurs, je mets Karl Marx ici en bleu, et puis là, ceux que vous avez ici, moins connus du grand public, sont ceux qui représentent l'école néoclassique. Et puis je terminerai par un auteur qui me tient à cœur, qui est Karl Polanyi, qui explique comment on passe d'une économie de marché à une société de marché. On a quitté le temps du calcul égoïste avec Newton, qui avait une vision parfaitement ordonné, équilibré de l'univers, immuable et répétitif. Il n'y avait pas de temps historique. En réalité, il est évolutionniste. Et donc, il n'y a pas un devenir, mais il y a un avenir. Pour ça, on va mobiliser 3 personnes, un géologue qui s'appelle Charles Lyell, qui lui va démontrer à cette époque que la Terre n'a pas toujours été comme ça. Donc, il y a certainement des continents qui ont disparu. Il y a des montagnes qui se sont élevées. Il y a des cours d'eau qui ont changé de tracé, ce qui veut dire que la Terre a une histoire. Deuxième élément important qu'apporte la science, c'est autour de la théorie de l'évolution avec Lamarck et Darwin, et notamment quand on a découvert le Néandertal en Europe, et qui a montré que l'homme descendait du singe. Alors évidemment, toutes les croyances religieuses de l'époque ont été perturbés. Et puis, dernier élément, peut-être pour montrer que le monde devient évolutionniste, c'est le moine Pindel qui a croisé des petits pois et qui a montré l'influence de la génétique dans le vivant. Premier élément, c'est ça. Le monde n'est pas immuablement répétitif, mais il est évolutionniste. Deuxième idée qui intervient à ce moment-là, c'est la thermodynamique. L'homme a toujours réussi à augmenter sa force musculaire pour faire les travaux qui lui sont nécessaires, en domestiquant les animaux, donc le cheval, puis les éléments naturels, à savoir l'eau et le vent, avec les moulins. Et donc ça, c'est de l'énergie froide. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va passer de l'énergie froide à l'énergie chaude, c'est-à-dire qu'on va transformer la chaleur en mouvement. Et c'est les principes de thermodynamique. Lorsque le charbon a été consumé dans la locomotive pour l'actionner, tous les éléments qu'il compose continuent d'exister, à l'état de cendre, de gaz, de fumée dans l'univers. C'est le premier principe qui est le principe de thermodynamique de conservation. Mais il est déstructuré et ne pourra jamais plus engendrer le mouvement. Donc c'est le principe de dégradation. Le premier principe conforte la vision d'une permanence et d'un équilibre. Et le deuxième principe remplace
l'éternité de l'univers de Newton par la marche vers sa mort thermique. Soit, ce que dit René Passé, dont je m'inspire largement, l'entropie la plus métaphysique des lois de la physique. Les principes de thermodynamique sont ici. Principes de conservation, principes d'évolution, principes de dégradation. Ce qui est à l'ordre du jour dans toutes les problématiques concernant le développement durable. Entropie, négentropie sont deux concepts extrêmement importants, notamment quand on parle à l'heure actuelle d'anthropocène, voire de capitalocène. Donc tout ça, ça bouleverse le monde proposé par Newton, et ça a des conséquences très importantes dans l'industrie et le commerce. Le monde agricole va laisser la place de plus en plus à un monde industriel. D'autre part, le fait qu'on puisse utiliser des énergies fossiles, pensons simplement au charbon, fait qu'on n'est plus tributaire de l'eau ou du vent. Donc on peut s'installer à peu près partout, et c'est à partir de là que va commencer à se créer ces grandes métropoles industrielles. Les économistes pensaient que la nature était un bien libre, inépuisable. Or, on s'aperçoit qu'en exploitant les énergies fossiles, qui sont soumises au principe de la thermodynamique, on va rendre donc la nature inutilisable. D'où cette idée de mort thermique. La croissance économique était couplée avec la croissance de la population. Et là, il va y avoir un découplage, ce qui va améliorer les conditions de vie de l'humanité. Cette industrie va demander de plus en plus de capitaux. Les petits entrepreneurs de première étape de la révolution industrielle vont devoir mobiliser beaucoup plus de capitaux. Donc, on va créer finalement le début de la finance moderne. Au niveau international, il y a surtout deux grandes puissances, qui sont les puissances colonisatrices, qui vont mobiliser les capitaux pour la colonisation, donc l'Empire britannique et nous, les Français. Et c'est le système des talents or, c'est-à-dire la conversion automatique de la monnaie par rapport au stock d'or disponible. Donc, il y a une relative stabilité. Et donc, on parle d'une première mondialisation parce que le commerce international triple en valeur de 1880 à 1913. Au niveau de l'organisation, l'État gendarme au service de l'expansion de la classe dominante. La bourgeoisie, je reviens à 1789, a investi tous les organes de pouvoir et d'autre part, elle maîtrise le système électoral. Et donc, le tour de passe-passe, c'est quand on réclame l'État gendarme au nom de l'intérêt supérieur de la nation au service de la classe dominante, qui est la bourgeoisie du 19e siècle. Parce qu'en économie, l'école classique explique que les marchés s'autorégulent. Il n'y a pas besoin que l'État vienne y mettre son nez. On va assister à l'expansion de la puissance coloniale britannique et française. Au niveau du Nouveau Monde, la conquête de l'intérieur du pays, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest, nous a vendu donc le cinéma américain, et la guerre de sécession. La guerre de sécession, quand on la relit, c'est très intéressant, parce qu'au-delà de l'argument moral anti-esclavagiste, la réalité, c'est qu'il y a deux modèles économiques qui s'opposent, les États du Nord par rapport aux États du Sud. Les États du Nord qui sont industriels, disons, qui vont dans la modernité qu'on vient d'expliquer, qui a une main-d'œuvre extrêmement importante, et les États du Sud, qui sont plutôt des États ruraux et qui sont conservateurs et veulent garder des relations très, très approfondies avec l'Europe, puisqu'ils sont libre-échangistes, notamment pour vendre leur production agricole. Donc, l'argument moral, à mon avis, ne tient pas longtemps par rapport à la réalité économique de ces deux modèles. On connaît l'issue, hein, en 1865, c'est le modèle industriel du Nord qui l'emporte. Ensuite, la littérature. J'aime bien faire toujours un petit tour dans la littérature. Ce qui est passionnant, c'est que toute la littérature du 19e siècle, les grands auteurs qu'on connaît, là c'est Balzac, là c'est Stendhal, et puis bien sûr le grand Hugo, sont des reflets de cette époque. Sur la place taillée en mesquine pelouse, square où tout est correct, les arbres et les fleurs, tous les bourgeois poussifs qui étranglent les chaleurs, portent les jeux du soir leurs bêtises jalouses. Bien, nous voici donc arrivés à un moment où il nous faut parler de la deuxième école libérale en économie classique,
qu'on dénomme néoclassique. Herbert Spencer, 1820-1903, va se studier l'évolution des espèces et la sélection naturelle de la lutte pour la vie, pour extrapoler ce raisonnement, pour révisiter l'évolution des sociétés humaines. L'évolution sociale conduit inévitablement à l'industrialisation qui apporte le progrès. Quint, poursuivant ses intérêts personnels particuliers, contribue au mieux-être de tous, ce qui est juste. En cela, il rejoint les présupposés de l'économie classique et y rajoute que l'équilibre harmonieux n'est pas permanent, mais qu'il est le résultat d'un processus, ce qui fait que la doctrine libérale, mise en mouvement, est sauve. On retrouvera le développement de l'école néoclassique simultanément dans trois villes. Première ville, à Vienne, Karl Menger, 1840-1921, à Cambridge avec Stanley Jevons, 1835-1882, et à Lausanne, Léon Valras, 1834-1910, et avec son successeur Wilfried Pareto. La question, on l'a déjà abordée la fois précédente, c'est celle qui tourne autour de la valeur. Pour Smith, ce que chaque chose vaut réellement à celui qui l'a acquise, c'est la peine et l'embarras que cette chose peut lui épargner. La valeur travail est donc incorporée dans la chose échangée. Et Condillac, qui est précurseur de l'école néoclassique, dit la chose suivante. Une chose n'a pas de valeur parce qu'elle coûte, mais elle coûte parce qu'elle a de la valeur. C'est parce qu'elle a une valeur d'usage. Et c'est de cette, à partir de cette définition que va être bâtie toute la doctrine néoclassique, notamment autour d'un travail de ce qu'est l'utilité. Et cette utilité que chaque individu cherche à maximiser. Alors l'utilité, intensité d'une satisfaction due à la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien, diminue progressivement au fur et à mesure que ce bien est saturé. Deuxièmement, pour maximiser sa satisfaction, le consommateur doit égaliser les utilités à la marge de tous les biens dont il dispose, pondérés par le prix. Et troisième élément, au plan de la collectivité, la satisfaction maximale est atteinte lorsque les biens se répartissent entre les individus, de telle sorte que la satisfaction procurée par la dernière unité du bien reçu est égale pour chaque individu. Prenant ces trois considérations, il sera bâti des fonctions dites d'utilité, ce qui permet de construire un modèle. L'aboutissement sera le modèle d'équilibre général de Léon Valras. Autre élément qu'il y a à noter ici, c'est que dans l'économie classique, il n'y a pas d'exploitation parce que le revenu de chaque facteur de production n'est que la contrepartie de sa propre productivité, ce qui est donc juste. Si on reprend les trois écoles dont on vient de parler à Vienne, Karl Menger, lui, a une approche plutôt psychologique. La valeur n'est pas inhérente au bien, elle n'en est pas une propriété, elle traduit le jugement que portent les sujets économiques sur les biens, compte tenu de l'utilité qu'ils présentent pour eux. Cette école de Vienne aura des successeurs illustres comme Van Mies et Hayek, qu'on retrouvera dans les années 80. À Cambridge, Stanley Jevons va être un des principaux à utiliser les mathématiques et démontre par exemple que l'offre, la force de travail, se fixe au point où l'utilité marginale, donc la dernière, du gain qu'elle procure est égale à la disutilité marginale de l'effort qu'elle représente. Et enfin, sans doute le plus important, à Lausanne, Léon Valras utilise aussi les mathématiques et travaille à une économie pure, une économie appliquée et une économie sociale. Pareto, qui va lui succéder à Lausanne, écrit la chose suivante. C'est Léon Valras qui, le premier, a trouvé un système d'équations, celui qui se rapporte au cas de la libre concurrence. Naturellement, la science s'est déjà développée, mais cela ne diminuera en rien l'importance de la découverte de Valras, de même que les progrès de la mécanique céleste n'ont point diminué l'importance des principes de Newton, au contraire. Alors, si on revient à l'équilibre général
de Léon Valras, c'est en 1874 qu'il publie Les éléments d'économie politique. Il rajoute pur. Il définit cette économie pure comme un régime hypothétique de libre concurrence absolue. Et il va mobiliser donc la mécanique et les mathématiques pour démontrer que l'équilibre de chaque marché découle de celui de tous les autres. Les économistes orthodoxes retiendront essentiellement le modèle théorique de Léon Valras pour en faire un idéal type qu'il faut absolument atteindre en reprenant les principes de ce qu'est une économie de concurrence pure, avec l'atomicité des marchés, la transparence du marché, l'homogénéité du produit sur leur marché et le libre accès à ces marchés. Et toutes les politiques publiques, pour arriver à cet idéal type, seront de respecter ces hypothèses de départ ou de tendre vers ces hypothèses de départ, parce que ce que Pareto va expliquer par la suite, c'est que le schéma d'équilibre général de Valras correspond à un optimum. C'est une situation dans laquelle on ne peut améliorer la satisfaction d'un individu sans réduire la satisfaction d'un autre. Résumé, argument utilisé dans le débat public. La valeur d'un bien n'est pas son coût, mais son utilité. Petite parenthèse, prenons l'exemple d'une maison que vous avez fabriquée vous-même. Cette maison, première analyse qu'on peut en faire, c'est que sa valeur va correspondre à la quantité de matières premières, de matériaux que vous avez utilisés, plus le temps passé par les artisans, voire par vous-même, si vous l'avez effectivement construit vous-même. Donc tout ça fait le coût du travail. Quelle est la valeur de votre maison? La somme de tous ces facteurs. Si aucun acheteur veut acheter cette maison à ce prix, eh bien, vous ne pouvez pas la vendre. Donc, par contre, vous pouvez trouver peut-être un acheteur qui va l'acheter à un prix légèrement inférieur. Et l'acheteur va le fixer en fonction de l'utilité que représente cette maison pour l'usage qu'il veut en faire concurremment avec éventuellement d'autres offres qu'il peut trouver sur le marché. Donc, on ne peut pas dire que la valeur travail et la valeur d'utilité sont deux notions qui se disqualifient. Les deux sont vrais. Donc, si on reste avec la valeur travail, on est dans l'idée d'une valeur qui correspond et qui est la résultante de rapports sociaux, alors que si on est dans une valeur purement d'utilité, qui plus est transcrite en un prix exprimé dans une valeur monétaire, on exclut du champ de la discussion et de l'analyse les rapports sociaux qui ont permis de produire ce bien. Deuxièmement, le recours aux mathématiques, alors avec les fonctions dites d'utilité. Bon, chaque facteur de production dégage un revenu correspondant à sa productivité. Autre idée, c'est que la recherche de l'équilibre se fait par tâtonnement sur les marchés. Donc on retrouve l'idée de ce que Valras appelle un commissaire-priseur. Et bon, on va pas tout de suite trouver le prix d'équilibre qui permet que l'offre rencontre la demande, mais c'est par tâtonnement et différentes propositions. Et il calcule une voûte de cet édifice, on vient d'en parler, le modèle théorique d'équilibre général de Léon Valras, qui était une idée de laboratoire à la limite, hein, et non pas quelque chose à imposer à une société, comme malheureusement c'est un petit peu le cas à l'heure actuelle. Dans la dernière phase du capitalisme contemporain, c'est toute la théorie de l'efficience des marchés financiers. La réalité des crises successives montre que si les marchés étaient efficients, on n'arriverait pas à des bulles et des crises à répétition. Nous allons donc passer maintenant à deuxième grande école qui se développe au XIXe siècle, autour de Karl Marx. Il va se servir d'abord, parce qu'il est philosophe, du mouvement dialectique de l'histoire. Le mouvement dialectique, d'abord la thèse, ensuite l'antithèse et enfin la synthèse. Ce qui est intéressant, c'est ce que Hegel a écrit dans « Le maître et l'esclave ». Le maître, n'ayant plus à transformer le monde, pensez aux aristocrates, ne travaillant pas, perd le contact avec celui-ci. Il se rend étranger à son monde, qu'il ne reconnaît plus dans la reconnaissance qu'en fait l'esclave. Dépendant du travail de l'esclave, il se trouve dans la même position de l'animal. L'esclave travaillant se transforme lui-même en transformant le monde. Il prend conscience de lui-même et se met en mesure de se libérer
renversant le rapport de domination. Il représente la contradiction qui a fait avancer l'histoire. C'est ce que voit Hegel dans la révolution de 1789. Marx va se servir de tout ça, mais il va reprocher à Hegel d'être idéaliste. Et pour ce faire, il va reprendre Feuerbach, qui est un élève de Hegel, et qui lui est un matérialiste. Un matérialiste, ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction entre l'esprit et la matière. Du même coup, il rejette l'existence de l'âme, donc la soumission à Dieu. Marx va reprendre donc ce matérialisme à Feuerbach et il va s'en servir pour critiquer les socialistes utopistes du 19e siècle qui ne comprennent pas que c'est la vie qui détermine la conscience et non pas la conscience qui détermine la vie. Et il va donc proposer une analyse matérialiste de l'histoire. Il va commencer par déconstruire et donc surtout critiquer les religions. La religion est le soupir de la créature opprimée, le sentiment d'un monde sans cœur et l'âme d'une société sans âme. Elle est l'opium du peuple. Donc de la critique de la religion, il va passer à la critique de l'État en disant qu'il est en fait l'incarnation de la rationalité dominante qui résulte d'un certain rapport de force entre classes sociales. Et ces classes sociales, dont leur origine et leur identité, sont le résultat du système économique selon lequel les hommes s'organisent pour assurer leur existence. Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires et indépendants de leur volonté. Rapport de production qui correspond à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Premièrement, chaque mode de production constitue la structure, l'infrastructure qui détermine un ensemble de superstructures sous forme d'institutions et de production intellectuelle ou mentale, ce que Marx appelle l'idéologie. Deuxièmement, sous l'effet des progrès scientifiques et techniques, les modes de production évoluent et rentrent en contradiction avec la superstructure qui a du mal à évoluer. Pensez à l'histoire du maître et de l'esclave. Et donc, troisièmement, thèse, antithèse, synthèse, troisièmement, pour résoudre cette contradiction, un processus révolutionnaire, pas forcément violent, doit s'enclencher pour adapter la superstructure au niveau mode de production. Le travail est un facteur donc essentiel. Il est l'acte par lequel, et ça c'est Hegel qui parle, l'homme se crée en transformant la nature. Or, dans le rapport de production dit capitaliste, le travail n'est pas créateur mais aliénant par une triple dépossession qui entraîne un véritable processus de prolétarisation. Dépossession de la chose créée. L'ouvrier moderne ne produit qu'une partie de ce qui n'est plus son œuvre. Deuxièmement, dépossession de son propre travail qu'il subit afin d'assurer sa subsistance et qui appartient à un autre, son patron. Et dépossession de sa nature humaine. Il est réduit à une simple force de travail qu'il vend comme une vulgaire marchandise. Et cette aliénation fait de la dignité humaine une simple valeur d'échange. À cette aliénation s'ajoute l'exploitation. Cette exploitation du travail est le fait de la loi de la concurrence. Pourquoi? Parce que l'entreprise est obligée de vendre ses marchandises au coût de production le plus faible. Sinon, la concurrence, faisant mieux qu'elle, obtiendra le marché. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Eh bien, abaisser la valeur de la rémunération du travail, qui est exprimée en heures pour calculer le coût de production. Donc on joue sur la baisse des salaires. Pour avoir le coût de production le plus bas, la force de travail exprimée en heures sera rémunérée à son plus faible niveau, minimum nécessaire à sa reproduction, ce qu'on appelle le salaire minimum vital. Mais la loi de la concurrence conduit le système à sa perte. Le travail est le seul facteur de production capable de produire plus de valeur qu'il ne lui en faut pour se reproduire. Exemple, 6 heures de travail suffisent à la force de travail pour se reproduire, c'est-à-dire aux travailleurs pour survivre. Elle sera payée à ce prix, mais on la fera travailler 10 heures. Donc la valeur de la marchandise produite sera de 10 heures,
Marx reprend la valeur travail, hein, pas la valeur d'utilité, et elle n'aura coûté que 6 heures. La différence, c'est ce qu'on appelle la plus-value. Il en résulte que le pouvoir d'achat mis en circulation, il ne sera pas de 10 heures, il sera de 6 heures, puisqu'il ne donne que 6 heures de travail, est strictement inférieur à la valeur de la marchandise produite, qui elle est de 10 heures. Donc, si on produit 10, mais qu'on ne peut acheter qu'à 6, il y a une surproduction de 4. Par ailleurs, pour le capitaliste, il doit affronter la concurrence. Pour cela, il consacre une partie de sa plus-value à la modernisation de son usine, en substituant des machines qui doivent être payées au prix qu'elles coûtent, et qui ne sont que du travail mort, pour le substituer au travail vivant. Substitution de ce qu'on appelle du capital, facteur capital, au travail. Tarissant du même coup la source de la plus-value, puisque la source de la plus-value, elle naît sur l'exploitation de la force de travail. Si on remplace la force de travail par du capital, le capitaliste n'a plus de plus-value. D'où le fait que des capitalistes, par tous ces jeux de concurrence, vont tomber dans le prolétariat, puisqu'à chaque fois, il y a des entreprises qui vont disparaître. Voilà pourquoi Marx écrit « La bourgeoisie devient son propre pourvoyeur ». Et donc va se constituer un prolétariat qui va devenir majoritaire. Théorie du maître et de l'esclave, théorie du matérialisme historique, dialectique de l'histoire, le prolétariat s'organise pour sortir de son aliénation. Ce que propose Marx, dans le cadre d'un processus évolutionnaire, c'est qu'il faut arriver à dépasser cette société capitaliste. Le rôle historique du prolétariat, donc de la classe ouvrière, quand elle s'organise, parce que la classe ouvrière qui s'organise n'est plus du prolétariat, parce qu'elle va se réapproprier son travail. Ce que Marx appelle la dictature du prolétariat. Quand l'appropriation collective des moyens de production aura été menée à bien, il ne subsistera qu'une classe de copropriétaires. L'État pourra alors dépérir et commencera l'ère du communisme. Il n'a pas approfondi l'analyse de cette société nouvelle. Marx, donc c'est un capitalisme anthropique parce que vous voyez bien qu'il s'auto-détruit, il se dégrade de lui-même. Par contre, il y a des îlots de néganthropie, c'est-à-dire le rôle historique de la classe ouvrière en tant que prolétariat, qui peut régénérer le système, mais dans une autre configuration, qu'on recherche toujours depuis presque un siècle et demi. Résumé donc, j'ai essayé d'en tirer 20 éléments. J'essaie que tout le monde se retrouve avec des boîtes à outils. C'est-à-dire, quand on raisonne avec Marx, bon, un, la dialectique de l'histoire, le matérialisme historique, le fait que le travail est aliénant, la reconnaissance de classe sociale, le fait que l'État est un État bourgeois, le fait qu'il y a des structures et des infrastructures, le fait que dans les structures se développent les idéologies. Il existe donc un prolétariat, que le travail devient aliénant, qu'il y a toujours une exploitation, que la loi de concurrence est toujours en œuvre, qu'il y a toujours une règle de la plus-value, donc une baisse tendancielle du taux de profit, donc des crises de surproduction. Ensuite, il y a l'histoire du grand soir, la dictature du prolétariat. L'histoire nous a montré que ça posait vraiment problème. Alors, un auteur, à mon avis fondamental, qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit un grand bouquin qui s'appelle La Grande Transformation, qui explique que l'on passe d'une économie de marché à une société de marché. Karl Polanyi, il écrit son bouquin en 1944, je crois, et il s'intéresse à ce qu'on vient de discuter là, c'est-à-dire toute la civilisation du 19e siècle. Et il montre comment l'économie s'est désencastrée de la société. L'économie n'est pas nécessairement marchande. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue anthropologique, il y a une économie qui peut être basée sur le don et le contre-don. C'est Marcel Mauss. Dans la sphère familiale, c'est ce qui est en œuvre. On fonctionne avec le don et le contre-don. Le fait d'avoir des enfants, c'est une économie du don et du contre-don. C'est la solidarité intergénérationnelle. C'est ce qui est à la base d'un système de retraite par répartition. Marcel Mauss est cité dans le préambule de l'ordonnance instituant la sécurité sociale en 1945. Parce que la sécurité sociale est un système de dons et de contre-dons. Deuxième modèle, l'ensemble de la production est remis à une autorité centrale. On l'observe dans des sociétés primitives. Il y a une autorité centrale qui va organiser toute l'économie. Bon, ça ne marche pas. Troisième modèle, c'est l'autarcie. Et puis un quatrième modèle, qui est le modèle dit de l'échange marchand. Ce que dit Polanyi, c'est que donc c'est l'échange marchand qui a pris le dessus sur les autres. Alors que jusqu'à cette révolution industrielle qu'on est en train de discuter, nous, il y avait
dans le monde entier et dans les sociétés, il y avait une coexistence entre ces quatre systèmes. Il n'y en avait pas un qui était hégémonique par rapport à l'autre. Sauf que la rupture de la révolution industrielle, c'est le quatrième modèle qui l'emporte, mais de manière hégémonique. C'est-à-dire, tout devient marchandise et tout peut s'échanger sur un marché. Polanyi, il écrit quelque chose qui est fondamental, le travail. La terre, la monnaie ne sont pas des marchandises. En ce qui les concerne, le postulat selon lequel tout ce qui était acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est carrément faux. La terre n'a pas été produite à la nature, elle n'a pas été produite par le travail humain. Un système de marché autorégulé est une utopie qui conduit à une société de marché invivable pour les êtres humains. Et lui, il écrit ça en 1944 et il explique que la faillite de la civilisation du 19e siècle est due au fait que le marché a pris le dessus sur toutes les autres valeurs, toutes les autres formes d'organisation. Et il explique dans une phrase que j'avais citée la fois dernière que pour comprendre Hitler, il faut revenir à Ricardo. L'ère du calcul conduit forcément au totalitarisme. Et quand on relit Polanyi, elle tombe sur la notion de bien commun. La monnaie, la terre sont des biens communs. Ils ne peuvent pas être gérés sur un marché autorégulé par des lois du marché. Et le travail, c'est bien plus qu'une ressource humaine et qu'une simple marchandise. Donc toute l'histoire du XXe siècle, ça sera avec le salariat, d'essayer de faire en sorte que le travail ne soit pas une simple marchandise. Donc on négocie le fait de confier, de se mettre sous la tutelle de son employeur, mais en contrepartie, on obtient un certain nombre de règles, notamment un contrat de travail avec des limites d'heures et toute une série de... C'est le salariat. Mais le salariat n'a jamais remis en cause ce qu'a dit Marx concernant l'aliénation et l'exploitation capitaliste. Le salariat ne change pas le système capitaliste. Et donc, vous voyez les débats qu'on a à l'heure actuelle dans le champ politique entre... Disons les socialistes ou ceux qui veulent aménager le système, voire des libéraux à conscience sociale, et puis ceux qui seraient plus radicaux, plus ou moins marxistes, révolutionnaires, et qui voudraient changer de société. Je crois que il y a des leçons pour notre, j'ai marqué, leçons pour notre futur. L'idée de raisonnement qu'on peut essayer de tirer de ce qui s'est passé au XIXe siècle, qu'il est urgent de réencastrer l'économie dans le problème de la société, donc dans un projet politique. Comment on fait en sorte que ce soit le politique qui reprenne dessus sur l'économie? Donc, je conclue en disant ça tout doucement. Nous venons de traverser un siècle de progrès de sciences et de techniques sans précédent, c'est le 19e siècle. L'ordre bourgeois règne. Le congrès de Vienne a produit un siècle sans conflit majeur. Les puissances qui ont enfourché la machine à feu, Carnot, ont colonisé le reste du monde. En économie, deux représentations, l'une libérale, l'autre marxiste, se sont affirmées et entrent en conflit. Karl Polanyi identifiera rétroactivement cette civilisation du 19e siècle comme cause des totalitarismes qui vont ravager le siècle suivant. De nos jours, son analyse reprend toute sa force. Jaurès avait raison, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage.